De faire ensemble, c'est être capable de... Parce que c'est un défi de taille qu'on se pose, qu'on se met sur les épaules en se disant « je vais aller voir l'autre, je vais le rencontrer, je vais essayer de le représenter dans une œuvre qui est vraie, qui est juste, qui le respecte. » Puis quand on représente, comme j'ai déjà dit, on réduit l'autre. Nécessairement, on le réduit quand on fait une représentation. C'est pour ça qu'il faut redoubler d'ardeur pour essayer de travailler la complexité de l'autre. Puis le faire ensemble, c'est vraiment cette capacité-là de travailler ensemble, honnêtement, et surtout d'essayer de partager. Je pense qu'il y a une grande partie de partage, de confiance. Faut que les participants aient confiance envers les cinéastes et faut que les cinéastes aient confiance envers les participants. C'est ultimement, c'est presque d'être humain, c'est d'être vraiment à l'écoute de l'autre. Puis créer une espèce de un faire ensemble qui où chacun où chaque personne va pouvoir vraiment s'accomplir. Par exemple, souvent un film va être réutilisé dans la communauté que les gens qu'on aurait décidé d'étudier. J'ai perdu le fil des idées. Il faut penser vraiment à quel bénéfice que chacun peut avoir dans ce faire ensemble.